Bonjour, bonsoir. Quel que soit dans les web, regardez vidéo ou sur Info 24, Chanel pour la contre la carte, Chanel information. Pas oublier, j'ai toujours dit, il y a côté dossier et nous allons chercher pour nous voter pour vous. Et bien, avant nous arriver dans le détail vidéo, on a bien vite au support qu'on fait ça, songez à abonner avec Chanel la Coulia. Activez la cloche là pour recevoir une notification sur la prochaine vidéo, on a bien pour mettre en ligne sur Chanel ça. Et si toutefois tu es abonné déjà, invitez une des trois autres mon abonné avec nous. Ça ne va pas déranger aussi, unique façon d'aider nous à avancer. Ou quand il y a de l'autre monde, tout informé, même j'ai avec vous tout. Eh bien, sénateur Evalier Beauplan, qui c'est un sénateur qui fait partie, quatre sénateurs d'opposition qui campent à la ganache pour défendre position pareille ou pour empêcher corruption selon ça, il dit, eh bien, il déclare, il y a le président Jovenel Moïse, semaine ça, pour mettre toute cause dehors. Il y a tout comment. Il va remplacer le président Jovenel Moïse. Et bien, le sénateur a bâillé le président Jovenel Moïse au conseil. Il fait le connaître pour le joindre avec le ministre financier pour lui préparer chambre ou bien pour lui préparer le pénitencier parce que il va gagner l'autre route, c'est pénitencier direct. Nous allons l'inviter à suivre. Réaction du sénateur Evalier Beauplan pour plus de détails. Notre conférence épiscopale là, pas plus que clair. Organisation de base, c'est eux qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Hier encore, il y a pris Katous dans son mars, il y a pris toute ville de province, l'international, particulièrement la diaspora noire. C'est lui qui a accompagné dans Washington pour aller faire plein. Dans fief, ils comprennent. Ça, vous voyez, là, c'est pas ça qui passe en Haïti. Mais images, mes textes, nous parlons, nous questionnons tout, nous disons bravo pour eux. Je dis, on va regarder les nouvelles qui sont sorties dans différents journaux à l'étranger, que ce soit Washington Post, que ce soit Miami Herald, que ce soit la voix de l'Amérique, où est donné à changer parce que pour l'autre compréhension des situations qui passent en Haïti, dans les plus près, le FNRFI nécessite aujourd'hui, si nous demandons tout le monde ça au coup de main pour nous faire passer message à passer, aujourd'hui, il faut demander au coup de main pour nous construire ensemble une solution. Ce n'est pas quatre sénateurs qui ont une solution à problème après Jovenel. Jovenel, c'est du passé. Jovenel est tombé déjà. C'est parce que nous avons payé l'Haïti, l'homme en Haïti, il n'a pas respecté tête, il n'a pas respecté les Haïtiens, ça fait un monde à parler de Jovenel. Il dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Donc c'est que Jovenel, son président de la République, aux institutions républicaines, la Cour des comptes, après deux rapports du Sénat de la République, qui sont pouvoir, si mes côtés ont impliqué dans la corruption, mes côtés ou dilapidé, mes côtés ou volé, pas gagné que tirer révérence de faiblesse. Et c'est pas Jodian, il a accusé Jovenel de voler. Avant même Jovenel de prêter ses mains, et qu'on rapport ukrainien, c'est tout journaliste qu'on aime, qui dédie Jovenel le blanchiment. L'idée vrai de déjà prévoir question blanchiment, ça mène nous sous Teresa, nous-mêmes, quatre sénateurs de l'opposition, nous pas participer dans la prestation de serment Jovenel Moïse, parce que dédie le président de blanchiment. Les gars qui passent sous dol, ils sont inculpés. Libre le déficit, là, au niveau international, il a cliqué sous nol. À cause des faiblesses, ils n'ont pas prouvé grande porte valide. Là, toujours passé par la petite porte et Haïti va payer les conséquences. Je dis à nous inviter tout le monde à dire ensemble. Nous avons une proposition. Afin de négatif, nous avons une proposition et nous avons menti. En 2004, il faut que nous dans le pays. Il y a des guettes qu'on a qui savent pas comme résolution. Voir, nous anticiper. Proposition, nous, en 2000, nous avons commencé cette bataille-là, nous avons public. Mais cependant, nous ne pouvons pas nous-mêmes seuls qui acteurs. Vu que nous ne savons pas les jours d'un autre j'en parlais, nous des faux propositions sorties. Mais chaque fois nous donnons que l'autre acteur qui a parlé, nous disons non, nous ne pouvons pas nous pas isoler. Du reste des autres, il faut aller rencontrer pour nous garder qui ça a gagné. Et à partir de ça, pour nous faire synthèse de ça, nous dégagons. Ensemble avec ça, pour nous faire des choses qui sont potables. Nous bagages tout le monde joue l'intérêt là-dedans. C'est pour que ce soit de révolution peuple qui a fait là. Révolution, force sociale, force politique, force économique, force diplomatique. D'où nous recevons tout le monde. C'est ça que fait le secteur démocratique. Fort de tout ça, c'est comme son paquet communication, invitation, nos cadres informels, téléphone. Si rencontre formel, mais week-end ça, nous invitons tout le monde de façon formelle. Et lundi, d'après le public, toute copine lettre que nous invitons tout acteur dans la vie nationale là, pour venir dire mot par pour nous capables de remplacer Jovenel. Vous voyez Jovenel dans le pénitencier. Si ça fait nous toujours inviter Jovenel, rapide, gardez bon côté avec ministre financier si capable d'améliorer le pénitencier. Parce que c'est pas bon, il va le goûter. Parce que pouvoir prendre la tête de pays, son pouvoir, j'en ai d'un sotil, pour mener une vraie conférence nationale. Conférence nationale là, c'est pour mettre en place toute institution. Mais des institutions sérieuses, avec des monde sérieux, des monde qui ont compétences, ce n'est pas marchand de pays, ce n'est pas nec qui vini qui a payé 2-3 millions de vente tête. Nous prenons mettre de lois sérieuses en notre pays, en constitution sérieuse, qui rigide dans le sens propre terme, pas pour bloquer le monde, mais pour nous dire les drogues. Ni corrompu, ni voleur parmi les sénateurs.
c'est faiblesse institution qui va au paquet corrompu passé. Le fait que les gars connaissent sont corrompus, c'est une façon pour les trafics. Il faut continuer sous corruption. Et même je le détache de corrompu par elle, il a dénoncé. Et je dis, hein, nous-mêmes, comme sénateurs de la République, nous prenons courage, nous, à deux bras, pour dénoncer ça que nous dénoncer. Pour agir, l'un doit agir, mais nous n'avons pas de prétention que c'est nous qui science fuse. Hein. Nous n'avons pas de prétention que nous c'est le pic de la Mirandole. C'est ça que fait nous inviter tout le monde. Les tuyaux allaient déjà. Demain, au paquet de rencontres qu'on fait dimanche, on a décrété la permanence. Lundi, on n'a pas en conférence de presse sur toutes les rencontres que nous faisons. Mardi, proposition à remplacement de Jovenel, la publique et tout secteur qui est engagé pour signer. Il y a signé la publique. Mais cependant, comme averti, t'es un paquet d'esclaves qui étaient sous-sous. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont sous-sous la mini. Parce que tout simplement, tu as mangé reste blanc. Tout simplement, tu as mis des restes pantalons chirés blancs. Yo t'as goûté reçu, les blancs fin boire jus. Yo t'as mangé récemment bagaille blanc. Même le vrai esclave des champs, yo t'as demandé, faut avoir une liberté, n'est-ce pas d'accord? Moi, je viens de nez, cap campé, pas d'accord. Mais nous croyons que l'essentiel des choses, de tout ça, là, avec une majorité de monde dans la vie nationale, cap d'accord. Sur ce, rendez-vous à Cassé pendant le week-end, non, pour nous chiter à tout secteur, proposition réelle, paysan. Qui va viser la passe de la sortie pendant un petit peuple là, pas camper. Dimanche. Si nous camper, nous faisons erreur. Dimanche, rendez-vous à Cassé dans le béton. Lundi, même bagaille là. Et lundi dernier, nous te baillons là. Au clé, au seul coup de clé. Lundi, nous avons doublé pour nous assurer que nous fermons. Mercredi, si on ne veut pas, nous mettons des chaînes dans le porte là. Jeudi, si on ne veut pas, nous mettons des fer forgé pour nous assurer que vagabond ça. Vagabond, habillé ça, bon nous pays, hein, pour nous faire conférence nationale, côté nation réconciliée à lui-même, côté nous mettre de véritables lois, nous mettre de véritables institutions pour que Haïti soit capable de tourner dans le Conseil des Nations, j'entends avant Vagabond ça. Voilà, c'était sénateur Évalière Beauplan. Conférence pour la presse, sénateur Saloté Bay, Yuri La Tortue, Nenel Kassiri, Carpierre, Antonio Chirami et Évalière Beauplan. Et sous conjoncture politique, la conférence pour la presse, Vinel Joseph te couvri pour Radio Kiskeya. Deuxième journée, 7 tours, Palais National, là, fête jeudi sans qu'un incident. Te gros bon valeur moun encore te répond présent. Et dans match ça, qui te fait sous initiative Petro Challenger, yo, pour continuer à exiger démission et arrestation Jovenel Moïse qui participait dans le gaspillage de l'agent Petro-Caribéa selon et ça, yo, toutes les informations qui sont disponibles dans le rapport de la Cour supérieure des comptes. Quelques noms, t'es boulé caoutchouc, j'étais fatra dans Pifor route côté t'es passé. D'après ça, le reporter nous constaté sur place. Activité, t'es bloqué dans plusieurs zones, dans mi-temps, en Port-au-Prince. Yon n'a pas de parole, Petro Challenger, nous pas dormi, Pascal Solage, avec yon l'autre, Petro Challenger, et Vélina et Charlier, déclaré, pas fait bac dans le mouvement ça, tout autant, Jovenel Moïse par remettre démission pour permettre un procès juste et équitable fait concernant le dossier Petro-Caribéa. Nous avons entendu deux Petro-Challenger Sayo qui fait partie du groupe Petro-Challenger Créé nous pas dormi, Pascal Solage et Vélina Charlier. Je te parle concernant le micro Joubert Joseph. Nous-mêmes, en tant que citoyens et citoyennes, nous avons des voies et moyens pour nous porter revendications, pour nous mobiliser tête nous et pour nous exiger l'État, quel que soit le côté positionnel dans notre pouvoir, pour nous exiger par rapport à le fait que nous sommes citoyens et citoyennes, que c'est l'argent nous avons payé, que nous là pour travailler pour nous et nous avons une responsabilité envers nous-mêmes comme peuple. Donc nous-mêmes, nous avons utilisé toutes voies et moyens pour nous capables de revendiquer, pour nous porter ça que nous voulons comme revendications. Et nous faisons tout toujours dans la ligne, j'en ai toujours fait l'un, même j'en ai toujours dit nous-mêmes.
nous mobiliser pacifiquement, nous faire sitting, nous faire manifestation, nous faire consultation, dans tout moyen que nous capable joindre pour nous continuer exiger ça nous besoin yo, qui c'est pour ces pétro-caribéens, qui c'est continuer bataille contre corruption avec impunité, qui c'est gagner une société qui gagne moins injustice sociale, qui gagne plus, qui gagne moins écart social, n'a toujours continuer faire. Et branler pour nous-mêmes, c'est que li prend conscience que effectivement, li sont maillon dans chaîne corruption, que li sont monde qui trempé jusqu'au cou dans ça les impunité dans pays et que li pas répondre à aucun problème, aucun questionnement, aucune préoccupation nous gagne en tant que population et que président pays arrivé démissionner, mettez tête li à disposition de la justice pour système judiciaire à commencer faire travail li, dans inculper, juger tout le monde quel que soit dans secteur coréen qui impliqué dans dilapidation l'argent pétrocaribé. Bon, j'en ai annoncé là n'a fait ça tout palais national. Donc jeudi nous dans deuxième journée mobilisation. Hier nous arrivé fait 7 tout yo et jeudi encore nous démarrer. Nous lancer un appel à mobilisation, population mobilisée, tout le monde qui est calme yo pas prendre en provocation parce que nous fait 7 tout, 7 tout long signification, il y a un muraille qui barrer route nous pour nous croper corruption à impunité, siège pouvoir exécutif là, représenter côté que nous gagne blocage ça qui fait pas casser corruption à impunité. Donc là nous fait 7 tout là c'est pour indiquer clairement que nous connaît qui côté blocage ça qui bloque lutte contre corruption à impunité à Chita. Et c'est ça que fait nous fait tout yo pour nous exiger démission président Jovenel Moïse qui doit mettre tête à disposition la justice. Il y a droit à la défense, mais toute défense que le gagne c'est dans la justice pour le dire. Tout dialogue que lui besoin faire c'est avec un juge pour le faire. Parce que jeudi nous fatigués, nous vivons tant que animaux, nous vivons tant que bêtes, nous pas parler à l'autre parce que nous tellement de problèmes économie pas bon du tout. Nous n'avons mouru pour d'engrier, nous vivons avec la peine un cri pour et nous fatigués, nous dit non, nous faisons un mur à corruption à impunité, nous faisons une injustice sociale là pour nous dire que faut pratique ça est fini dans le pays. Voilà, c'est deux dans dirigeantes Bressan Petro Challenger qui c'est mon papa dormi, Pascal Solage et avec Vélina Charlier. Et quelques dirigeants politiques et militants qui ont participé dans le massacre continuent d'exiger démission de Jovenel Moïse. C'est qu'à porte-parole, mon pote d'ancien député 45e législature, Serge Jean-Louis. Et puis, il y a même dans le secteur démocratique et populaire, Fernando Duclerc, avec porte-parole diverses organisations politiques et d'opposition, Edouard Saint-Fleur, critiquer façon Jovenel Moïse a mené un bac pays pendant que les populations continuent à mobiliser. N'attendez une après l'autre, Serge Jean-Louis, Fernando Duclerc et Edouard Saint-Fleur, toujours dans le micro, Vladimir Maurice Ridoué. Nous-mêmes, nous là.